Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires à au moins 30 mètres de distance avec le fusil Blaster E11. Alors le fusil Blaster, vous allez pouvoir le trouver à trois endroits bien précis, donc je vous le montre sur la carte. Il y en a un endroit qui se trouve ici, c'est un avant-poste des Stormtroopers. Il y a un autre avant-poste qui se trouve ici, plus ou moins, et il y a un autre avant-poste qui se trouve ici, donc c'est tout le temps sur la route hein, normalement. Donc là je vais aller à Burke Johnny's et je vais essayer d'aller choper un fusil blaster. Alors il faut savoir que les fusils blaster, c'est possible que vous puissiez les trouver dans des coffres, mais je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a possibilité. Alors les avant-postes des Stormtroopers, vous pouvez les voir là, regardez, on me tire dessus justement. Ils sont où? Ah, ils sont là-bas. Donc c'est à côté de la route. Ah non, bah c'est bon, là il y a des... Là il y a un avant-poste avec des Stormtroopers impérial. Et là vous pouvez acheter le fusil blaster E11 pour 100 lingots d'or. Donc je l'achète. Ok, parfait. Je pense que lui aussi, hein, vous le vend, voilà, parfait. Alors je sais pas si on peut les trouver dans des coffres, mais je viens de voir qu'on peut trouver des sabres laser dans des coffres. Donc maintenant ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts des adversaires à au moins 30 mètres de distance. Donc pour savoir si vous êtes à 30 mètres, vous pinguez. Hein. Moi c'est flèche de gauche pour pinguer, donc je cherche un adversaire. Là j'en vois pas. Je pense que c'était un adversaire qui me tirait dessus. Hein. Mais là je le vois pas. Donc ce que vous faites, c'est que vous cherchez un adversaire et dès que vous en trouvez un, vous pinguez l'adversaire pour voir à combien de mètres de distance il est. Et ensuite ben, vous faites attention d'être bien à 30 mètres de distance pour lui infliger des dégâts. Alors je vois que l'arme a des munitions illimitées. Est-ce que je peux tirer en illimité? Est-ce que l'arme surchauffe? Ça n'a pas l'air. Ah si, elle surchauffe. Il faudra attendre qu'elle surcharge, enfin qu'elle se refroidisse quand elle est trop chaude. Bon, on va aller à l'attaque. On va chercher des mecs. Ok, les lasers de Star Wars, vous pouvez en trouver vraiment partout apparemment. Il y en a vraiment un peu partout. On a dans des coffres, il y en a posé au sol. Ok, là, il y a un adversaire. Il est à 70 mètres, donc c'est bon. Faut juste que j'arrive à le toucher, là. En vrai, elle est pas très précise, l'arme, j'ai l'impression. What the fuck, man? Il faut infliger combien? 1000 de dégâts? Sérieux, c'est abusé, ça. J'arrive même pas à le toucher. C'est quoi, ce délire? Ah, voilà, je l'ai touché une fois. Ok, il était bien à plus de 30 mètres. Hein, il était à 50 mètres, voire même plus. Donc, regardez, 75 de dégâts. Par contre, ça n'a pas validé pour mon défi, j'ai l'impression. Ok, je vais m'accroupir pour tirer. Peut-être ce sera peut-être mieux. Ah, par contre, je sais pas s'il était à 30 mètres. Ouais, bah, il était tout pile à 30 mètres. Hein. Je sais pas si ça a validé. On verra ça de toute façon. Ok, j'ai un autre adversaire là-bas. Mais j'ai une voiture qui va. Ah ouais, carrément. Ok, ok, il m'a... Mais regarde, infliger des dégâts à des adversaires à au moins 30 mètres de distance, j'en ai fait 111, donc ça a bien validé le défi, donc c'est bien comme ça qu'il faut réaliser. Et dès que vous, vous aurez infligé 1000 de dégâts aux adversaires, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulmec et ciao, peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, 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 bruh.